Un sixième voix opposable aux cinq autres. En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un sixième doigt, car il ne possède pas de griffes et ressemble à un coussinet bien rigide situé au creux de la patte. Il est constitué d'un os modifié du poignet, l'os sésamoïde, et sert au panda à saisir les branches de bambou, à les décortiquer et à les porter à sa... Le panda géant est un animal solitaire. C'est pourquoi vous observez Huanhuan et Yangzi, nos deux adultes, dans des enclos séparés. Les pandas ne se rencontrent qu'au moment de la reproduction. Et ce n'est pas une chose simple chez les pandas. En effet, les femelles sont en chaleur durant environ 3 semaines dans l'année et sont réceptives au sein de ces 3 semaines seulement pendant 2 ou 3 jours. Tout comme l'ours brun ou l'ours blanc, le panda géant appartient à la famille des Ursidés. Bah ouais. Ah, il y a un truc de son ventre. Maman. Il tombe là-bas, est-ce que j'ai fait son ventre? Ouais. C'est là, il vient.